Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pêcher un endroit très spécial parce qu'il y a des brochets de couleur noire. Vous en êtes témoin. C'est pour ça que je t'emmène là. Ouais. Vous avez pêché ce lac. Ouais. Il y a à peu près 7 à 8 ans. Ouais. Je t'ai fait voir les photos et tu t'es dit, il faut que je vois ça. Alors les brochets, pas tous, mais quasiment tous, ils sont avec une robe toute noire. Ils n'ont même pas de piqûres de points, parce que généralement un brochet c'est vert avec des taches un peu jaunes ou blanches. Ici, ils sont tout noirs avec un peu de jaune sur leur ventre. Donc c'est vraiment une couleur très spécifique et c'est probablement dû à l'acidité de l'eau. C'est un lac très tourbé. Très tourbé. Donc la tourbe, c'est des tas de mousse qui sont ici sur les bordures du lac, sur lesquelles on va marcher. Donc c'est de la mousse flottante et en dessous de cette mousse, il y a des brochets, donc on va bien devoir pêcher dans nos pieds, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Donc on a pris du matériel, on va pêcher du bord, on a pris du matériel léger avec nous, de façon à pouvoir faire tout le tour du lac et pas devoir trimballer trop de matos avec nous. Bon, on va aller découvrir ça, on va vous emmener et j'espère qu'on va pouvoir vous montrer des brochets noirs. Comme ce matin, c'était bien. Et s'il y a beau poisson, on annonce. Qu'est-ce que c'est ? L'eau, elle est noire, mec. Incroyable. Et tu vois que les lacs sont beaucoup plus petits qu'en bateau, là. Sinon, on est mort. Tiens, j'ai eu un suivi. Allez, il y avait un brochet derrière, déjà. Ça veut dire que c'est bon signe, ils sont dans les bords. Ouais. Enfin, pas loin du bord, on va pouvoir les toucher en pêchant. Ouais. Hey, il est beau, mec. Est-ce qu'on a un brochet noir? On a un brochet noir. Et il est beau, mec. Il est noir, il est tout noir. On a un 70. Il est gras. Wow, il est tout noir. C'est abusé, mec. C'est abusé. Il est revenu, quoi. Bon, ben voilà, la journée est faite. La vidéo est terminée. Désolé, on a... N'oubliez pas de vous abonner. Allez, abonnez-vous, likez, mettez-nous un petit commentaire. Après trois lancers... Fiche, frérot. Ouh. Ah ouais, il est balèze. Hey, papa, il est venu me le reprendre au bord. Il te l'a attaqué de ouf, plein de fois. Il l'a pris, je l'ai décroché. Il y a un beau fiche, hein. Mec, est-ce que tu vas nous faire la pêche au Curly Louis comme sur l'hôtel? Regarde, tu le... Bah, ça vise. Là, vous me faites une belle photo. T'as la petite palette, là? Ouais. Voilà, les gars, on vient juste d'arriver avec mon père Elan. Il a pas de points. Tout ça, il a pas de points sur tout ça. Wow. Incroyable cette couleur. Incroyable cette couleur. Et dans les eaux noires comme ça, t'as mis le petit coloris Fire Tiger là. Voilà. Ah ouais, je crois que t'as bien fait. Hein. Et il est noir mais doré en même temps, c'est fou. Les ventres sont dorés, en fait, sont jaunes. Jaune, ventre super jaune et dos noir de chez noir. Tu me fais une petite photo? Claire. Bah, c'est dit comme ça qu'on faisait. Hein. C'est ça. Les moustiques, mec. On va remettre ce beau poisson à l'eau. Ah ouais. Vraiment magnifique. Quel beau fiche, quoi. Voilà, il est voulu. Et on le voit même plus. Il touche l'eau, on le voit déjà plus. Et c'est pour ça que je te disais. Camouflé de malade. Vraiment, encore plus que d'habitude. Fais vraiment gaffe au bord.
En sortant de l'eau, quoi. Je te l'ai dit, hein. Ah, ouais, et, ouais. Et t'as vu où il me le prend? Tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu. Il a... le prend au bord. Donc, en fait, il, à la base, il était quand même plus décalé du bord. Ah, 2 mètres, ouais. Ouais, il était décalé un peu du bord. Il était pas dans. Ça, ouais. Parce il était pas dans l'uniforme. Énormément de. Après, ils ont tendance à revenir, mais fais gaffe quand même, tu vois. Fais voir un peu, t'as remis le montage avec la palette, là, c'est ça? Ouais. Ah, ouais, donc c'est le ouais, Curly Louis avec palette. Hein. Quelle attaque! Quelle attaque de fou! Je veux capturer un boucher noir. Tu vas en avoir, mec. J'espère. Splitch, porch, porch. C'est une pêche de dingue. Déjà, juste pour... Ah, il y a poisson, là. Ah, j'ai ma boîte collée. Tu me ramèneras là, papa? J'arrive. Avec la fais pas un brochet, hein, parce que sinon je vais ne faire que l'épuisette moi toute la journée. j'ai même pas le temps de pêcher. Il y a des brochets partout. Voilà. Hein. Hein. Brochet noir. Numéro 2. Brochet noir, hein. Brochet noir numéro 2. Ah ouais. Ah, c'est fou. La couleur de ces... La couleur de ces trucs, c'est absolument incroyable. Brochet. Oh, bah voilà. Brochet noir. Voilà. Numéro 2, un peu moins foncé celui-là, mais il est quand même foncé. Hein. Oh. Donc voilà. Et il est beau, hein. Oh, c'est beau, hein. Belle taille. Hein. Il y a du chicot là-dedans. Bah joli, hein. Fabuleux. Deuxième poisson en 5 minutes de pêche. Voilà, c'est ça. Incroyable. Ouais. Quel dinosaure. Nice. C'est incroyable. Remise à l'eau. Hein. Ouais, remise à l'eau. Et à 15 minutes de la plante pronature. Ouais. On est à 15 minutes du camp de pêche, quoi. Allez, va par la bête. Allez, va mon pépère. Hop, on est reparti. Voilà. À ça, sous l'eau, on les voit plus. On les voit plus. Ouh. Tiens, chasse de brotte. Chasse derrière moi. Ah, c'est une libellule, mec. Elle s'est fait défoncer. Ouais. Elle s'est fait striker. La libellule s'est fait striker par un broc. Énorme. Elle est là encore, la libellule. Tiens. Il me l'a loupé, là. Il est là. Il y en a un là. Fiche. Ils font des combats. Oh là là. Et il a coffré, mon gars. Oh, énorme. Eh, il est encore plus noir, les gars. Putain, je sens que je vais être le mulet de service, moi, aujourd'hui. Ah, si. Déjà, c'est moi qui ai l'épuisette, c'est moi qui ai la pince. Je vais être le mulet de service, quoi. Regarde, vu du dessus. Ah, mec. Ouais. Noir de chez noir, quoi. Tu vois rien. Vas-y, montre-le-moi au soleil, parce qu'en plus, il y a du soleil, donc ses couleurs ressortent. Mais il est tout noir. il a pas de couleur, il est tout noir. Noir doré, incroyable. Quoi. Incroyable. Et les attaques et les combats qu'ils font. Waouh. Incroyable. Donc l'âne, tu vas passer sur un leurre texan et tu vas prendre ton brochet noir. Ouais, je vais passer au montage texan, je ne sais pas pêcher avec le... Il y a trop d'herbier là. Ah ouais, ici c'est dense. Tu le vois? Même s'il était là, tu passes, tu le vois ouais, pas. Ouais, limite tu crois que c'est une branche. Tu le vois pas, mec. Et ça, c'était... Oh, encore? Ouais. Tu le vois plus, mec. Ah, mais à 20, même pas à 20 cm sous l'eau, tu le vois déjà plus. Donc, du coup, je vais monter quoi? J'ai un Curly Louis. Peu importe, regarde, papa, il en fait aussi. Faut juste un leurre texan, en fait. Ouais, j'ai... Sinon... J'ai ça.
Alors, est-ce que ça se lance? Ah ouais, bah nickel, ça se lance, nickel. Poisson. Ah putain, un décroché, j'avais mon brochet. Ah non. Ah non. Vu, là, non. Attends, il va peut-être revenir, Il va revenir. Je l'ai. Voilà, c'est un minuscule. Allez, mon brochet noir. Viens par ici. Allez, ouais, minuscule, oh, petit brochet. Mais j'ai un brochet noir. Mais t'as vu à l'attaque? Il te l'a pris où, au bord? Là. Voilà. Oh, au bord, en directo. Mais il est revenu. Tu vois, je te dis, ils reviennent. Il est revenu. Alors tu l'as piqué? Je l'ai piqué. Hein, je te dis, ici, ils sont narvalos. Piqué, décroché, ils sont narvalos. Regarde comme il est noir. Bon, Elan, je crois qu'il y a ton premier brochet noir de la Laponie, là. Un monstre. Un monstre? Combien? 95, non? T'imagines même pas. Mais on s'en fout de la grosseur, parce que regarde la beauté. 95, 120 mm. Regarde-moi la beauté de ce poisson. Regardez les gars comment... Petit bébé brochet reproduit. Alors je lui enlève déjà Curly Louis. Ça va déjà être une première chose. Ah, je l'ai bien laissé en gamet avant de le faire. Et t'as vu comment il se pique bien? Ah bah là, ouais, il avait en gamet, je l'ai ferré après. Ouais. T'as bien rendu la main. Non, j'ai bien rendu la main. Voilà. Et est-ce que tu l'as vu venir? Bah, une première fois. T'as vu la vague ou pas? Une petite vague, parce que j'étais à la remontée. Petite vague, petit poisson. Bah oui. Eh bah c'est cool, au moins c'est décapoté. Décapoté. Et maintenant c'est bon, c'est on pas, fire. Il est pas si noir que ça, celui-là. Un peu moins, un peu moins. Il a une il autre marbre. Bronze. Là. Il est bronze, couleur bronze. Il est pas jaune en dessous, ouais. Ouais. Mais c'est des prédateurs, ça. Allez, je le remets à l'eau. C'est une belle première, mais c'est pas encore le black que je voulais. Celui-là, il est pas noir, en fait. C'est pas celui qu'il me faut. Tiens. Retombe dans ton milieu. On le voit. Ouais, c'est abusé. J'ai sorti l'épuisette, mais c'était vraiment par respect parce que j'aurais pu le dropper. Oh oui. Mais quand tu regardes, on est contre le vent. On est contre le vent, même. Ah, je suis deg, franchement. Bah là, c'est quand même pas en veine. Ouais, mais non! Il me le prend à la remontée, comment tu veux que je le fasse? Je l'ai. Ah! Sérieux, mec. Il reprend, hein. Il reprend après, hein. Mon leurre est mal mis, mais je m'en fous, il y a la palette. Quand même, là. Je l'ai. Wouh. C'est un autre. Ah, il est dans la mousse, c'est pas grave, il peut être. Il peut traîner au sol ici. Non, c'est un autre. C'est un autre, putain. Parce que je l'ai pris pleino, celui-là. Dan. Il me l'a prêt à la remonter. Là, il y a un beau poisson. Voilà, là, je suis content. Ah, je suis content pour toi. Bien, yeah, j'ai mon brochet tout noir. Yes. Mais t'as vu comment ils reviennent? Oui, il revient. Hein. Trois fois, il est venu. Hein. C'est fou. Alors que ils sont piqués, tu vois. Les autres jours de pêche, ils revenaient pas. Hein. Les dents. Les chicots de malade, quoi. J'aimerais pas être un alvin ici. Regarde ça, quoi. Le palais du dessus, là. Pouah. Bon, Lan, ça y est ou quoi? Ça y est, il est là. Le brochet noir. Regardez-moi cette couleur, comment ils sont. Mérité, noirs. Parce qu'il est quand même vu trois fois. Ah oui, lui. Il a dit, je vais faire plaisir à Lan. Mais j'en ai raté un autre juste avant. Même taille. Je suis monté à. Le seul montage qui cartonne aujourd'hui, hein, la petite palette, le petit montage texan. Alors toi, tu pêches avec un Curly Louis. Et puis moi, j'ai mis un petit chat de chez Chase Bait. Je connais même pas le nom, c'est la première fois que je l'utilise. Et franchement, ça a l'air de très très bien marcher. Il y a une petite rainure pour le montage texan, donc cool. Regardez-moi ça. Là-dedans, il y a du chicot, les gars. Oh. Yes, allez. Baby. Ramène-nous ça à l'eau. Ouais. On va pas le voir il dans, était dans deux gros. Secondes, on le voit plus. Ouais, il était plus gros l'autre, c'est ce que j'avais pris avant. Ouais, on voit plus. C'est ouf. Noir ces dans de l'eau. Noir dans de l'eau, noir. Fort. Ouais. C'est incroyable. Tiens, mec. Oh putain, l'âne. Ah bah là,
Ah bah, tu sais, il a fait ce qui nous est arrivé l'année dernière. Un trou de l'eau jusqu'aux hanches. Regarde. Je l'ai vu. Je l'ai vu disparaître. J'ai disparu. Je sais que mes deux boîtes sont en l'eau. Bon, heureusement que ça m'est pas arrivé en arrivant. On va dire que je vais rester une heure les pieds trempés. Et regarde ça. Voilà. Ici, Fichti qui attrape presque pas de brochet, il rate tous, mais par contre il loupe pas les trous. Hein. Ça te fait rire, hein, ça le parisien. Wow, putain, bien. Le rush de malade qu'il me fait. C'est plus gros, non? Ouais, c'est vrai. C'est plus gros, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Il y a un beau poisson, là. Il est pas noir. Il a pas l'air d'être trop noir. C'est beau, pareil. Ah ouais, pareil, hein. Ouais. Ah, ça fait. Ouais, il me fait un beau combat, là. Ouais, sympa, ouais. Yes. Ah oui, là, il y a beau poisson. Ouais, beau, ah, si, il est noir, il est noir. Yes, man. Yes. Ah, il est sorti, il était collé ici, là, il était là, dans le trou, là. Au bord. Hein. Vraiment dans le bord, là, il était vraiment dans le bord. Ah bon? Doublé, là. Doublé? Ah, excellent, les garçons. Je vais vous mettre ensemble. Ah, je vais essayer de le mettre dans l'épuisette avec toi. Ouais. Le mien est beaucoup plus petit, mais ça fait plaisir. Eh. Dans les merdes, là, au bord. Hein. Ah ouais, moi aussi, dans le bord. Ouais, vraiment dans le bord. Ah, il fait peut-être 75... Ah, peut-être 80. Non, il fait pas 80. Non, 70 ouais. Ah ouais, ouais. Oui, nous, et non. C'est le même que nous, ouais. Ouais, c'est le même. Yes, man. C'est une petite épuisette, il y a deux brocs dedans. Voilà, doublé avec l'âne. Les deux en bordure. Les brochets noirs. Ils sont bien noirs tous les deux, là. Grave. Ouais, je suis content, là, c'est un beau. Là, c'est un beau. Ouais. Comme les deux qu'on a pris au tout début, voilà. On était parti sur une belle moyenne. On a des beaux poissons, là. Allez. Regardez-moi ça. Là, il y a des beaux poissons tout noirs. Incroyable, cette robe de poisson. Je n'avais jamais vu ça. Jamais. Oh, il était au bord. Il me l'a pas pris. Non, c'est décroché. C'est un petit. Ça va. C'est quand même plaisant, quoi. Tiens. C'est vrai que je te dis qu'il y en a encore. Papa. Un frog. Quand même. Attends. Petit curly Louis. Je vais le perdre. Ah, il y a beau poisson. Il y a beau poisson. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ouais. Encore, hein. Il y a beau poisson, là. C'est du 65-70 encore. Et tu vois, sur le passage... Waouh, c'est le plus beau. C'est mon plus beau du jour, là. Ouais. Regarde, il est fat à mort, celui-là. Je suis même pas sûr que c'était celui-là, hein, parce que t'avais dit que c'était là. Ouais, il est. Ouais, mais tu sais, il a bougé. Hein. Pour leur taille, on va dire. Je pense que c'est le plus beau de. Yann. C'est mon plus beau de la journée, là, regarde ça. Bon, ça. Regardez comme il est noir. Vous voyez ? Ultra, ultra noir.
Ces brochets, ils sont surpuissants. Hein. T'as vu? Surpuissants. Hein. Force de rivière. Ouais, c'est des boissons de lac, mais... C'est fou ici. Des chandelles, ils prennent 5 mètres de... Ils te font crier le frein, quoi. Ouais, énorme. Je veux un petit toffe, il est vraiment bon. Mais il est fat, hein, celui-là. Celui-là, il était gros. Hein. Oui, c'est une belle moyenne. Hier, ça vient reparti direct. Un peu plus à gauche, papa. Un peu plus à gauche. Tu vas arriver dessus, là. Normalement, la route est là, là. Ah ouais, une bière, là. Oh, putain. Je suis explosé. J'ai de l'eau dans mes bottes. J'ai des images plein la tête. J'ai mes pieds qui tapent dans le fond des bottes parce qu'elles sont trop petites. J'ai mal partout. J'ai mal aux jambes. Marcher dans la tourbière, c'est encore pire que marcher dans le sable. Je suis rincé de chez rincé. Là, je vais dormir après, mais comme un bébé. C'était ma journée la plus sportive de mon trip en Suède. Bon, ben voilà, journée terminée. Du brochet noir. Wouhou ! C'était incroyable. Journée vraiment de fou furieux. Et est-ce en plus, que t'es content, l'âne? Ah oui, on a pris des... Ce qu'on t'a fait découvrir. Ah, c'est sûr. Là, c'était vraiment une belle découverte. Ça valait vraiment, vraiment la peine de venir ici. On a fait plein de poissons au final, hein. Ouais. on les a localisés, mais c'était que dans deux zones du lac, l'entrée et la sortie. Et là, on a enchaîné plein de poissons d'affilée, dont des petits, mais aussi des beaux. Hein. Je pense qu'il y en a un qui devait approcher les 80 cm. Ouais, ouais. Et voir ces poissons tout noirs, c'était vraiment fou. Et des crocs. Moi, je trouve que c'est les plus beaux. Je trouve que ça mérite un like. Ouais, et un abonnement. C'était quand même spécial comme vidéo, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Et nous, puis, on est crevés en tout cas. On va dormir. Ouais. On vous dit au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Salut.